Bienvenue tout le monde, c'est Haïti 360 qui entre la caillou à Soya. Nous pas déroger nous avec là, nous allons parler football parce que Coupe du monde là, c'est pratiquement événement planétaire qui gagne, capable de qui rassembler plus monde. Eh ben nous pas qu'à faire exception avec là pour ne pas parler de lui, pour ne pas présenter des informations utiles, j'en toujours fait en émission ça. Et pour nous faire chaque soir, j'en qu'on habitué faire, c'est avec des spécialistes, des monde qui connaît événement très bien, des gens qui comprennent le football très bien, mais qui peuvent gagner pour porter lumière pour vous, pour porter un ensemble d'informations que nous pensons qu'il y a utile pendant mois de compétition qu'on va gagner pour suivre sur la télévision nationale d'Haïti. Nous allons inviter à découvrir Mounio ensemble avec nous, tout de suite après pause. Haïti 360 à Soya, après avoir parlé de la Coupe du Monde, Jean-Noël Djouli. Nous allons diviser l'émission ça en deux parties parce que pour nous bien chita en dans thématique là, nous allons éviter de découvrir avec nous une histoire jouette là, un ensemble de phénomènes qui traversent et jouette ça que nous le football là que nous tout aimons en Haïti, non premier temps et non deuxième temps. Nous allons regarder gros événement ça qui est à la fois un événement sportif, un événement social, mais surtout et avant tout un événement économique. Eh bien, qui ça li capoter pour pays qui pas qualifié pour phase finale la même genre avec Haïti. Pour nous faire gros traverser ça et gros plonger ça en mondial 2018 la cap fête en Russie Anissa qui c'est 21e coupe du monde qui a disputé, et ben nous gagne avec nous des figures qu'on va gagner et ben pour ouais sur écran télévision pendant tout mois compétition hein. France Exil que n'a dit bienvenue. Bonsoir. France Exil qu'on connaît qui qu'on a commenté football et fait émission sportive Libo en radio Libo. Et nous avons avec nous tout Dr. Rudy Erivo. Dr. Erivo, bienvenue dans Haïti 360. Bonsoir Lionel Edouard, nous saluons Fansto et puis nous saluons direction télévision DG Gamal, qui travaille sérieusement pour que télévision après pour la Coupe du Monde. Non, nous saluons tout le staff sportif Lantou et puis fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui branchaient Haïti 360. C'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation. Haïti 360 à Soya, nous allons traverser la Coupe du Monde, je nous dis, ce n'est pas aujourd'hui après la Coupe du Monde, c'est toute une histoire. Pratiquement depuis 1930, eh bien, mondial là, et par rapport avec la guerre qui était gagnée, malgré ça, événement pas campé après la guerre mondiale, ils ont recommencé avec la Coupe du Monde. Année ça, en la Coupe du Monde, il y a un ancien champion qui n'est pas là, mais il y a 7 anciens champions, donc la tradition quand même, il était bien vivante en la Coupe du Monde. Ça. France Exil, première question c'est pour vous, comme on voit que vous attendez toute la journée dans la radio, une Coupe du Monde pour nous-mêmes haïtiens, pour tout le peuple sous la tête d'une manière générale, ça, ça veut dire comme événement sportif. Bon, bonsoir tout le monde. Pour Haïti, c'est un bail particulier parce qu'en fait, Haïti rentré dans la question de la Coupe du Monde en force à part, en 1974 avec la première participation d'Haïti à une Coupe du Monde. Et depuis, c'est la fièvre. Gagner peut-être dans le cadre des situations antagoniques qui fait que bah, la piste, dans le cadre de chaleureux toujours, il y a une piste ambiance cette année, la question Brésil-Argentine. Vingé un développement qui est cherché pour un club bio et avec surtout Barcelone là, fait que Haïtien bien planté dans la question football. Mais en dehors de ce qu'on appelle Dakar, l'impact football, l'impact économique, et, jouette là sous pays en général, parce que c'est pas seulement Port-au-Prince, le bassin de Port-au-Prince qui est en effervescence, c'est tout le pays, c'est voir, et l'opin de la Coupe du Monde, non, qui ça a généré d'une manière générale, et qui a quitté dans le pays là, au mois de juillet, disons 16-17 juillet, qui est capable de quitter et on allait mieux, à la fois pour le sport haïtien d'une manière générale, mais aussi du point de vue social, du point de vue économique, parce qu'en fait, gagner un peu l'activité génératrice de revenus qui va dépendre de ça qui va commencer demain. Et moi-même, c'est dans le cancer. C'est-à-dire, est-ce que, effectivement, j'entends des négligences économiques qui dire, est-ce que c'est des activités qui vont doper la croissance? Est-ce que le fait que Nek vend en pile télévision, est-ce que ça augmente les revenus, effectivement, qui va bailler 2-3 jeunes, qui capable dire job et pour vacances? Non, parce que effectivement nous avons augmenté le chiffre d'affaires, non, par l'effervescence que ça a créé, et dans des gagnants, station télévision, ils ont un vendre de télévision crypté ici, c'est tout le monde a couru sous lui. Ok, effectivement, bien content, business a marché. Est-ce que lui-même, à partir de ça,
ça va faire générer de droits d'emploi en plus, même si dans le temps, ça m'y est. Et en dehors de la satisfaction générale de qui prend batte, de courir de rapport, etc., de boire en bière, etc., mais qui s'est créé par rapport à mouvement économique qui, forcément, qui va avoir un petit impact sur la consommation des boissons gazeuses, des boissons alcoolisées, que nous avons dit, bon, nous prenons. Des cas de point avec modération. Avec modération, mais tout gagné et qui est non visible, peut-être docteur Yves qui est même capable de parler le mieux, c'est volume stress que, et dans le moment ça, les mordus du football, il y a évacué. Il y a évacué, et ça a effectivement un gros impact sur la maladie cardiovasculaire, et de manière positive alors. Donc moi-même, c'est. L'aspect ça aurait intéressé mon pile. Qui ça a quitté comme emploi, qui ça a quitté comme génération de revenus. Est-ce que quelqu'un qui vient plus bon après le mondial là, je suis bien content si ça a fait comme ça. Est-ce que quelqu'un qui s'est tiré bien parce qu'effectivement, dans le cadre mondial, il n'y a pas qu'un stress qui est évacué. Et puis, il y a une mieux, il y a une tension qui n'est pas montée. Moi, je suis totalement la donne. Alors, Fanfan font gros traversé là, côté de Dimitri Moix en particulier sur l'aspect économique et l'aspect social. Là, que nous avons pour nous retourner sur la deuxième partie là. Oui, Didier Rivaux, 3,2 milliards de monde te suivent mondial 2014 là. Pratiquement, ce sont une effervescence mondiale autour de question Coupe du Monde là. Écoutez, football, Coupe du Monde de football sont un événement planétaire qui suscite un peu de passion. Ils ont ferveur extraordinaire partout à travers le monde et où il y a un pile de monde depuis que l'événement s'est arrivé. Ils ont totalement focus, focalisé sous lit. Et non seulement ils nourrissent, tant qu'on fait un samedi, par des rivalités, côté que. Et c'est le moment côté que fanatique Messi, fanatique Ronaldo, et traditionnellement ça a toujours été le cas, même à l'époque quand je appelais Didi Vava Garincha, même le Johan Cruyff là, Franz Beckenbauer, tu as toujours eu des rivalités, il y a eu les rivalités entre les Pays-Bas et la Belgique, même en phase éliminatoire. C'est la passion, une passion dévorante, il y a un enthousiasme indescriptible, il y a une fièvre qui gagnait tout le monde. Et dans l'époque du monde, c'est comme si son parenthèse, côté que tout le monde était scotché à la télévision, yo, ou bien il choisi un pays qui a organisé la Coupe du Monde. Et tant que vous avez un chiffre là qui a lui-même seul illustré justement ça, me suis expliqué là, c'est-à-dire cette frénésie populaire pour le sport le plus populaire, justement, le football. Donc, ça montre que à quel point j'en sais que importance. Dans la vie, dans l'existence, dans le quotidien. Tout être humain, tout le monde qui est sur la planète bleue, ça. Alors, pratiquement, la Coupe du Monde de football, là, je viens de dire, c'est un pile chiffre, mais c'est la Coupe du Monde qui a fait dans le plus gros pays en termes de superficie. C'est 17 millions de kilomètres carrés, ville pas proche. Donc, ça demande en pile infrastructure, en pile, on est capable de mobilisation de matériel roulant pour permettre que le monde soit sur la Coupe du Monde. Ça, absolument. La Russie, ou dit-on quoi, c'est le pays qui est plus vaste qui gagne. De l'Oural à la Sibérie, du golfe de Finlande pour arriver, ils n'ont sorte de espèces sur le continent qu'à parler de l'Eurasie, parce qu'il y a un bon portion en superficie qui en Asie, majorité en Asie, plus de 67%, et le reste en Europe. Donc son pays continent très vaste, et que Coupe du Monde, ça va pas le dérouler dans 11 et villes, côté que, ou joignent, et pardon, 12 villes et 11 stades. Donc ça vient fait que tout de Moscou, pour arriver Samara, de Kaliningrad pour Nijni Novgorod, entre autres, de Saint-Pétersbourg à une ville qui est l'ancienne Stalingrad, qui c'est Volgograd. Eh bien, ça montait qui ça? Ça montait que, eh bien, en deux pays, ça, non seulement Russie, les Russes en eux-mêmes, qui c'est des amants du football, pas bien à l'époque de l'Union soviétique, les Soviétiques ont gagné le premier championnat d'Europe des Nations en 1960. 4 ans plus tard, ils ont été finalistes contre l'Espagne. Ils ont été fin de battre l'Espagne en 60. 4 ans plus tard, l'Espagne prend revanche. Après, en 70, par exemple, tant que deux matchs après le fait contre l'Arabie Saoudite, ils ont joué le match d'ouverture contre eux, le pays hôte à ce moment-là, le Mexique, qui était fini 0-0. Donc, au bon pays qui est extrêmement vaste, qui a profité tout de Coupe du Monde de football là. Pour retourner au premier plan. Absolument, retourner parce que pas oublier que là, qu'on y a là où on est que des sanctions qui frappaient la Russie à cause justement de ce qui s'est passé, par exemple, dans l'est de l'Ukraine avec indépendantistes qui tapent Goumen et que Yogon sort en Tchétchénie à cause de l'intervention russe en Crimée aussi. Donc, on sort de désaveu
de l'Occident envers la Russie. Et la Coupe du Monde représente quoi? Reconstruction de l'image. Occasion justement pour capable refaire image. Mm-hmm. Une image qui sérieusement est cornée. Mm-hmm. Même le G8, mm-hmm. okay, dont l'Assemblée s'est tenue au Canada il y a quelques jours, où est-ce qu'on va parler du G8, on va parler du G7. Et que les Russes, même les leaders qui étaient plaidés pour capable de retour dans Donald Trump entre autres, mais ils sont toujours exclus. Ça veut dire que c'est bon terme qui est capable de qualifier ça. Un événement gigantesque dans un pays gigantesque. 17 millions et 50 500 kilomètres carrés, c'est énorme. Donc, c'est un très, très grand pays, mais malgré tout, à part que non seulement tous les Russes, à part le gain pour un pile russe, à part le gain pour suivre lui, mais la planète tout entière, à part le gain pour suivre l'événement. La rédemption pour la Russie, qui a refait l'image, justement, à partir de la Coupe du Monde, ça, et son rédemption qui coûtait cher, les Français exil, pratiquement, il était prévu à 3,2 milliards. C'est nous dans l'ordre 6,2 milliards là par rapport avec prévision qui fait et 11 stades et sous pratiquement 8 ans là où c'était pour le construire, c'était un chantier gigantesque. Alors on nous dit c'est 11 villes et puis 12 stades. Il y a 2 à Moscou. En fait, il y a fait investissement ça pas un parce que fait d'un point de vue de géopolitique, il faut qu'il repositionne sur le marché. Mais également, il y a voulu bailler une image de yo, remarquez que Poutine fait silence son paquet de gros dossiers pendant ces 6 derniers mois, parce que l'IPAVLE mettait tête li, Ndagado en porte-à-faux avec la communauté internationale, parce que le mondial est important pour lui, pour le redresser la zone. Mais au regard de chiffres que nous sommes à là, sur, que le docteur Yves a baillé sur la question superficielle, et moi-même, c'est rapide, je vais mettre dans le football, gagner y a un gros danger dans la question distance stadio. Si et les équipes favorites ne sont pas premières, il va faire des déplacements énormes. Et pratiquement, c'est des voyages par avion. Équipe deuxième, gagner deuxième, ceux qui ont glissé. Et on prend un exemple simple, le Brésil, c'est le groupe E. Et sous deuxième, on est capable de changer de zone. Et là, ça n'est pas bon pour vous parce qu'au fait, on prend un quartier non zone, leur premier, ou plus ou moins, est en proximité. Et ça fait, d'un point de vue technique, il y a un gros effet sur la préparation de l'équipe. La deuxième chose, c'est que ils ont organisé les Jeux Olympiques d'hiver là, qu'ils font paquet, ils dépensent un paquet d'argent, ils font plus de bagailles que prévu, ils ont sanctionné un paquet d'athlètes qui ont fait dopage. Donc, ils ont gagné ensemble des questions extrêmement épineuses, puis ils répondent par une organisation presque parfaite pour eux bail, parce que tout le monde est content de voir les installations russes. Et gigantesques, ils sont capables de dire c'est des bails fastueux. Et pour capter, conquérir le monde. Donc maintenant, comme moi-même, c'est ça qui m'intéresse, le football, l'équipe n'est pas du tout en jambes par rapport au match de préparation, mais ce n'est que match de préparation. Mais merci pour 3 millions, on n'a pas eu là, et comme prévision d'investissement, et France Exil, il faut rentrer là quand même. Non, c'est évidemment, oui, parce qu'il y a un paquet. Il n'y a pas le débouché là. Sous de nouveau peut-être au traité de commercial par rapport à ça aux ventes parce que mon c'est leur ouais c'est leur ouais ou quoi c'est-à-dire que ils comprennent exactement que ça vous ça fait même si de point de vue sportif n'est pas évident avec des hivers rigoureux ça et ils sont presque capables fonctionnel de fin mars à fin octobre donc toute cette année là c'est en mort pas du point de vue sportif mais recevoir des événements par exemple au bail Ukraine, et Kiev et finale Ligue des Champions, ou pas les stades russes, forcément, pas de recevoir des compétitions européennes. Il y a la Ligue des Nations de l'Europe qui parle mener aux non-situations plus générer revenus. Et autre chose qui parle importante, c'est quand même en exposure. C'est parce que l'Europe, c'est pas ça, dans la caillou, ou une équipe de la monde, il y a pas de deux. Maintenant, il n'y a pas de doute, caméra fait traveling de tous côtés. Il y a pour tout détail des milliers de journalistes dans le pays. À partir de ce moment, il a fait Zoom, il a fait Snapchat, pas professionnel, mais qui est assez présent, qui a brûlé des images en time, real time. Donc, à partir de ce moment, ils ont l'autre vision des Russes. Mais maintenant, comment le peuple russe, ce qu'on appelle les Russes, l'ancien soviétique et Union soviétique, qui c'était au thème de question, est-ce qu'il va nous vendre une autre image, de point de vue culturel, de point de vue, je dirais,
Est-ce qu'il y a qu'à pas l'événement? Est-ce qu'il y a qu'à pas l'événement? Parce que le fait que tout football pas numéro un la caillou. Donc, il compte ça tout. Est-ce que une élimination prématurée capable de faire gagner, capable de faire Dakar et Lyon, une certaine défection, désaffection du public pour mondial là, je n'ai pas encore les chiffres de combien participants. Il y a parlé de 1 million. Il y a parlé de 1 million. Mm-hmm. Mais au fait, on ne peut pas aimer que bel stade ça y est, stade gigantesque ça y est, et puis il y a vide. Donc c'est surtout ça qui gagne grosse inquiétude là-dedans, dans la mesure où, et là où ici, ce n'est pas un gros cylindre en affaire football, mais ça l'a montré, parce que quand même, il y a plusieurs composantes pour la Coupe du Monde. Il y a d'abord l'équipe de football qui doit être représentative et compétitive. Il y a aussi les infrastructures sportives, parce que le cahier de charge de la FIFA, son bagage extrêmement, on est capable de dire, étoffé et puis qui exigeant. Mm-hmm. Donc, l'ordre des présidents FIFA, Infantino, dit la Russie fait prêt. Cela veut dire que ses conseillers, l'équipe technique de la FIFA dans le domaine, analyser et rendre compte que pas gagné pour, par exemple, pour le Brésil, la pareille date, n'est-ce pas, 10 jours, 8 jours avant le mondial brésilien, il y avait des inquiétudes parce que Guénébaï n'est pas fini, et il y a révisé. Donc, il ne sait pas le cas pour la Russie, totalement prêt de point de vue infrastructurel. Très bien. Rudy Rivo, on a parlé de 6,3 milliards d'investissements. Qui vient l'agence à rentrer et générer des bénéfices? Écoutez, la Russie, en général, sont une destination touristique très prisée. Mm-hmm. Par exemple, en ville de Saint-Pétersbourg, mm-hmm. sur les bords de la Neva, c'est 5 millions de touristes par année. Mm-hmm. C'est beaucoup. Moscou, c'est au moins 3 millions. Mm-hmm. La ville qui est visitée en Russie, c'est Saint-Pétersbourg. Donc, à partir de Man, touristique là, c'est sûr que dans pile l'argent capable d'entrer. Donc, si ça est capable de doubler, voire tripler à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Ça, c'est le premier là. Deuxième élément, en dehors, justement, de rédemption, ça, que Russie a cherché, côté Poutine, le Premier ministre Medvedev, en fait, tout le gouvernement russe, il y a aussi des retombées réelles, captonnes. Russie après Coupe du Monde. Ou pas jamais en Coupe du Monde déroulé dans le pays, et puis pour que vous parlez après de déficit. Mm-hmm. Par exemple, pour les Jeux d'hiver qui étaient déroulés à Sochi, sur les bords de la mer Noire, dans cette station balnéaire qui est située sur la mer Noire, dans pile infrastructure qui ont été construites, que après, vous avez du mal pour exploiter. Faire rentabiliser. Mais pour Coupe du Monde, ce sera différent. Alors, il y a parlé de 3,2 milliards de dollars comme droit télé pour 2014. Oui. Et pratiquement 2018, là, nous pensons qu'il y a pété le plafond, ça. Oui, la balle augmentée. Il faut dire aussi, si tu me permets, Rudy, droit télé, c'est un bail qui est exclusif à la FIFA. Ce n'est pas l'organisateur. Ça, c'est comme FIFA. Man. Le pays organisateur lui-même n'a pas généré revenu, nous sommes avec Dr. Ivo Abdia. Sous question touristique, sur les produits dérivés. C'est tourisme, les produits dérivés. C'est tourisme qui a parlé. Maman, comme là, c'est le tourisme qui a parlé de faire les solutions. Alors, parle, non, l'autre bail, encore, on n'a pas le dit, mais on va finir. L'autre bail, vous nous dit, c'est que l'URSS a toujours été une grande nation de football. Maintenant, le mur de Berlin est tombé, depuis 1989, mais on n'est pas capable de détacher ça que l'ancienne Union soviétique, actuellement Russie, qui a essayé de retrouver sa puissance, son prestige, son aura d'antan, ou pas qu'à détacher de performances que sélection soviétique a réalisé. Au début des années 60, c'était l'une des équipes les plus fortes du monde. Même là, Ukraine, au début, il était plus. Non, écoutez, c'était la grande Union soviétique. Il y avait le Dynamo de Kiev, par exemple, qui était sélection russe. 82 ans, il était à base de deux équipes pratiquement. Le Dynamo de Kiev et le Dynamo de Tbilissi, en Géorgie. Donc, c'est des équipes quand même qui étaient, c'est son sélection qui était fort. En 88, il y a joué final championnat d'Europe des Nations avec les Pays-Bas. Il a perdu face aux Pays-Bas, mais aussi en général, c'est une grande nation de football. Ça me devait ajouter dans le commentaire de notre affaire. Ça fait depuis mois octobre, Russie n'a pas gagné aucun match. Il n'a pas gagné aucun match. Il y a la rédemption politique que l'a cherché, mais il y a aussi la rédemption sportive. Depuis octobre, il y a eu un match. Il y a eu le sélectionneur Leonid Slutsky qui a été mis en pile espoir sous lui.
La participation à l'Euro 2016 a été un fiasco total. L'y remplacer qu'on n'y a pas Stanislav Tcherchesov, qui a misé sur lui pour au moins pour qu'il puisse aller le plus loin possible. Quand on est arrivé là, une élimination de la Russie au premier tour de sa Coupe du Monde, ce serait une catastrophe. Catastrophe d'abord sportive et pour le prestige du pays. Économique, économique oui, parce que quand on désaffection, tant qu'on a dit là, dans le stade, bien que grand pile étranger qui est capable plus ou moins de compenser et désertion stadio par les Russes à proprement parler. Donc, ils n'ont pas le droit à l'erreur. La Zbornaïa, c'est comme ça que les sélections, hein, ils ont l'obligation d'aller le plus loin possible dans sa Coupe du Monde. Mais ce n'est pas facile. Yogi y a un groupe qui, a priori, largement à leur portée, avec l'Uruguay, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Match d'ouverture demain au stade Luzhniki de Moscou, devant 80 000 spectateurs face à l'Arabie Saoudite. Eh bien, de lui marrer, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Coûte que le gain, pour mettre en selle pour et la suite des événements. Très bien. Haïti 360, assoya un pile football, vraiment un pile football à parler. Et déjà, par rapport avec qualité intervention, parce que même qu'il a commencé à jouer un pile lumière. Eh bien, j'en ai toujours fait là, c'est pour promotion connaissance utile, n'a fait une émission ça. Et pour promotion connaissance ça, pour aller retourner tout de suite après pause là. Haïti 360, c'est émission ça va suivre dans le moment sur chaîne télévision l'État, télévision nationale d'Haïti, n'a pas les Coupes du Monde, mais qui gens, pays qui pas qualifié pour Coupe du Monde, même sont capables de profiter de gros espace qui est à la fois économique et social, mais également sportif. Eh bien, c'est de ça qu'on a parlé avec invité nous, Rudy Erivo, médecin de son état, et France Exil, lui-même que vous avez entendu tout le temps comme commentateur sportif dans Radio Ibo. Nous parlons de tactique dans le moment ça en Haïti 360. Et il y a un élément qui est extrêmement important, on a regardé les 32 équipes. Pratiquement chaque équipe a des figures que alignées sous terrain. Il y a des schémas tactiques. Pratiquement été abandonné, mais nous qui refait surface pendant 4 dernières années là, surtout à travers le championnat européen. Par exemple, 3-5-2, nous avons parlé en coulisses tout à l'heure qui retournait. Il faut faire dis-nous, et par rapport avec vos favoris, qui schéma tactique vous pensez qui est plus dominant en dedans et Coupe du Monde ça qui va le faire là? 32 équipes, yo, pas, je ne sais pas d'égale valeur parce qu'au fait, il y a un entraîneur qui changeait et il y a l'autre. Équipe qui parle qui font. Qui puis paraît fort. En général, ils ont gagné. Ça n'est qu'à une prédominance dans l'équipe là qui jouait. Par exemple, l'Espagne. L'Espagne fait l'école catalane base là, qui était axée sur le fait que nous de petite taille, on va jouer technique avec beaucoup d'habileté, on va jouer dans les espaces, nous pas capable de jouer ce qu'on appelle un duel direct. Donc Barcelone et puis toute l'école espagnole branchée sur question ça et ils prennent deux coupes d'Europe. Il prend une Coupe du Monde. Le Brésil n'a pas abandonné totalement ça d'affaire. Le Brésil fait un gros mixage avec Tite de manière très réaliste. Et il croit que, comme on dit dans NBA, les équipes offensives par gagner NBA, c'est les équipes défensives. Donc Tite fait un mixage, côté là, vous voyez en 4-3-3, mais pas oublier. Le line-up que vous voyez au départ dans la télévision, etc., etc., c'est pas ça, vous veillez. Vous êtes capable de vous rendre compte que, vous dites à parler tout à l'heure en micro, que la Belgique joue un 3-4-3. Un 3-4-3 avec Van Dongen comme arrière central gauche, et puis Boyota, quelque chose comme ça. Vous êtes capable bientôt de Bialder Virel. Ah, bientôt Bialder Virel comme arrière central droit, ou bien Van Dongen en couverture, parce que l'autre là allait. Maintenant, lorsque on a un ballon, quand on tire équipe, on peut avoir effectivement le 3-4-3 très clair. On peut effectivement les deux arrières centraux yo écarté et puis un arrière qui fait un V. Sauf qu'on tire en ligne dans mes temps, je crois qu'on pourra. Je ne vais pas faire une concurrence, mais je ne vais pas montrer ça avec. Donc, on peut tirer V1, ou est 3 central. Donc, on peut 4 milieux de terrain alignés plates avec deux médias défensifs, ou bien yon devant l'autre, et puis. Contre une équipe, peut-être pour eux ou bien plus pas passer. Mais immédiatement, nous avons joué avec plus fort passer, ou car on nous compte que carrément, ils sont peut-être en 5-3-2.
parce qu'ils ont renforcé la défense, ou bien renforcé le milieu de terrain. Donc, la question tactique, c'est surtout de l'animation. Qui ça m'a fait l'aimer ballon? Qui ça m'a fait l'aimer ballon? Est-ce que m'a récupéré haut? Est-ce que m'a récupéré bas? Est-ce que parce que l'équipe yo, gros équipe yo, gros des avantages. On dit que peut-être pas peut-être brancher sur ça. Joue un pile match. Léo Messi c'est 54 matchs. Par exemple, le numéro 1, 54 matchs là, je veux dire. Luis Suarez me connaît 56. Donc gros joue un pile match. Il va falloir que ou tenu compte de ça, dans la préparation physique, là, parce que c'est régénéré, t'as régénéré la réunion là, tu vas faire gros activité, par exemple, la France prend petit poids, semaine dernière, et puis on petit poids, fait autant comme t'as cadeau papier génique dans l'eau, contre les États-Unis. Donc, ça va le déterminant dans le choix tactique. Là. Mais il y a des équipes carrément qui sont immuables, j'ai l'habitude de jouer comme ça, jouer. Non, oui, là, jouer, ça dépend de l'adversaire. Adversaire qu'on gagne, parce que le groupe n'est pas tellement relevé, il faut dire ça. Le groupe n'est pas relevé. Mais ça qui arrive, je prends le ben, pour que le pays d'Haïti peut-être appuie à pas le suivre, c'est pour le Brésil. Le Brésil va jouer contre deux équipes européennes de seconde zone, la Suisse et la Serbie. Il y a de gros joueurs là-dedans qui ont une bonne équipe. Cependant, ça qui arrive, que l'équipe s'est take off en deux mondiales. C'est-à-dire qu'ils ont une forme. Ils ont une forme vis-à-vis des Brésiliens. Les gens qui jouaient pipiti match en deux équipes, ça, y aurait le Danilo. Et si William est titulaire, c'est avec William. Mais les autres, bon, comme Neymar est blessé, bon, ça joue pour lui. Donc ce sont des joueurs qui gagnent en charge de travail sur yo extrême. Donc ça va peser lorsque on va jouer chaque 3-4 jours. Et puis, on va jouer dans la Coupe du Monde. Donc, c'est 7 matchs en 30 jours. Donc, en d'autres termes, gagner une capacité de récupération. Donc, tactique. Est-ce que m'a joué dans les 30 premières minutes, m'a essayé un petit peu, m'a conservé? Est-ce que m'a joué full dans le mi-temps match? Est-ce que ça va dépendre? Parce que c'est les questions qui vous seront posées. Tout dépend des questions qui vous seront posées. S'il y a posé une question très huppée, par exemple, l'Espagne et le Portugal a commencé dans la classe philo. Ils n'ont pas commencé dans la maternelle eux-mêmes. Donc, ils ont l'examen d'État dès vendredi et 2h. Donc, pas de temps pour. Pas de temps. L'Allemagne parle Mexique en général, l'équipe de seconde zone, mais le Mexique a posé des questions. L'Argentine va gagner en muraille devant. Si on n'est pas capable de jouer une pénétration balle au pied, ça va être compliqué. Parce que les Islandais parlent défendre dans 25 mètres. Ils parlent massifier. Ils parlent massifier. Exact, c'est le mot. Alors, docteur. Vous entendez, docteur, vous dites niveau 5-3-2, 4-2-5-2, 4-4-2, 4-3-3. Qui schéma tactique qui a le plus avantage et par rapport avec Coupe du Monde là qui va dérouler là, qui est-ce qui a le plus ouais et dans mes temps favoris qui affiche tel ou tel schéma tactique? Nous avons fait ressortir trois éléments. Le premier élément, c'est que pas un système qui est supérieur à l'autre. Et Coachio a composé, a géré les ressources que vous avez à la disposition. C'est, et puis tout, suivant. Nous sommes capables de dire philosophie du joueur, la conception tactique. Jean qui ont une équipe qui campé et puis regarder qui élément au disposer de eux, qui joueur que ont à disposition eux, puis on met un système de jeu. C'est ça que par exemple une équipe tant pour le Mexique, traditionnellement depuis quelques temps, le Mexique joue avec 5 défenseurs. Il y a un système qui est capable de transformer, muer en 3-5-2. Donc, là, il n'a pas attaqué, il vient 3-5-2, mais là, il a défendu, il 5-3-2. Il y a une base défensive 5, par exemple. Dans le match États-Unis, France a été joué. Ça qui était gêné les Français, sérieusement, c'est parce que les Américains ont joué avec 5 défenseurs. 5 défenseurs qui étaient considérablement gênés, l'équipe Didier Deschamps. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut qu'on ait qui sort dans le monde, et puis, toi, partir de philosophie, de conception, joueur clan. Et puis, on a aligné l'équipe qui a bon meilleur. Mais ça, on dit là, il y a des gens qui ont dit bon, bah d'accord, parce que le Brésil, qui est censé petitrer, pratiquement son 4-4-2, parce qu'il va changer. Il a pas, et en 94, il joue déjà là. Pas immuable. Par exemple, dans les années 50 ou 60, et c'était 4-2-4. Haïti, la Coupe du Monde 74, c'est avec 2 milieux de terrain qui jouent. On profite de saluer toutes les générations ça. Qui était réalisé cette fabuleuse épopée de 74, Philippe Vaud et autres. D'accord? 4-2-4. Mais ben après ça, au début, après 74, au début des années 70, 4-2-4, et puis tout autour, après entrer plus pifon dans les années 70, il vient dans un système de 4-3-3, avec 3 milieux de terrain, 3 attaquants généralement.
Et puis c'est graduellement, pendant que je là, vine de plus en plus tactique, vine plus calcul, vine d'abord, il y a une question pour ne pas perdre. Nous songe à ce type, où il y a Karl-Heinz Rummenigge qui a joué dans Bayern Munich, qui vient quitter Bayern, Calais en Italie, à l'Inter, un passage pour nous dire qu'il était quand même catastrophique, assez catastrophique. Il y en a meilleur joueur allemand de tous les temps. Monsieur Dou, différence entre le football allemand et le football italien, c'est que en Allemagne, on joue pour gagner et en Italie, on joue d'abord pour ne pas perdre. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. En 78, Italie quitte son seul grand monde à la printemps de la terre. L'a joué système, le fameux système du verrou, le Catenaccio, que Elenio Herrera, Tevin Avel, qui te permettre que Inter de Milan champion d'Europe en 64 et en 65. Eh bien, Yoba Argentine au bout de goal, beau en 78, Betega, tout dominé, Argentine dominé. Avec Osvaldo Ardiles, Galvan, Tarantini, Kempes, Bertoni, on va jamais égaliser. Et l'Argentine perd du match. Mais bon, bon époque en Haïti, pratiquement, où tu as l'impression, même, l'aime dans le petit football, moi, c'est comme si le football est 4-4-2 seulement, on est qu'on joue. Oui, j'ai l'impression que c'est pour ça. Au début. Parce que c'était là, avant tout. Je parle là, années 90, mon truc. C'était avant tout l'attaque. Mais, à partir de l'année 2000, où il y a une mutation, nous retournons à un ancien, choix tactique qui était pour nous faire dans l'année 70, on va parler là, qui vient mettre notre joueur. Je vais être là, plus fermé. Justement. Je vais être là, plus fermé, parce que c'est une question de sortir, de jouer à l'extérieur, dans la caille, au cantigeant, puis offensif. Mais leur sortie, d'abord, c'est préserver et résultat nul, et à le battre au moins pour faire un goal à l'extérieur pour ne pas perdre. Ça vient faire que vous conduisez des équipes qui campaient en 4-5-1. Très bien. Ou bien en 4-4-2, en 4-4-2 classique, avec 4 mi-temps, 4 défenseurs et puis 2 attaquants. Mais contre 4-5-1, tout côté qui est ton seul attaquant. Et puis là, je la caille, il prend plus, d'accord, du risque offensif, parce qu'il est dans l'obligation de gagner. Donc, aujourd'hui, le fait que je vois la vigne de plus en plus tactique, de plus en plus fermé, par exemple, n'est-ce pas que je coupe du monde. C'est une vertu. Oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres qui disent tout, la meilleure attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, un pressing infernal pour réaliser sur l'adversaire, ça qui ou priver le ballon. Hein. Un entraîneur comme Guardiola, c'est sa philosophie. Priver l'adversaire du ballon. Et à partir de son sous-bagain ballon, c'est Mengel. Johan Cruyff, dit héritier de Johan Cruyff, c'est ça que dit. À l'époque, justement, de Cruyff en 1974, c'est toute l'équipe des Pays-Bas attaquait en même temps, et puis toute l'équipe des Pays-Bas tape défend en même temps. Le football total. Et puis, là, quand il vient prendre Barcelone, il vient coach, il dit que c'est le monde qui a un ballon, hein, qui a plus de chance pour gagner. Et c'est lui qui te permet quand même Barcelone en 92, qui est le premier titre de championnat. Donc, les choses évoluent en fonction des circonstances, en fonction des ressources de joueurs qu'on a à disposition, en fonction des enjeux, en fonction des rencontres qu'on a disputées, si c'est là ou bien si dehors. Mais par exemple, l'équipe brésilienne, là, il gagne, c'est un équipe qui a un schéma figé. On connaît que le Brésil, de toute façon, a pas gagné 4 défenseurs, et puis gagné un sentinelle, 4 défenseurs, sur Thiago Martelo, pour gagner Thiago Silva, gagner Miranda, et pour gagner Danilo, Casemiro comme sentinelle, et pour gagner Coutinho à gauche, William à droite, Paulinho là, et puis devant, on gagne Neymar, on gagne Gabi, et Sous. C'est ça. Et coach là, il décide que c'est comme ça qu'il a joué. Et je me sens que quel que soit ça qui vient, c'est comme ça la quimbe. Je ne sais pas comment la va changer. C'est ça qui va le résultat jusqu'à présent. Alors, nous pouvons le permettre. C'est la rue. Alors, Fofon, Macron, soit font intervention sur. Oui, je ne vais pas parler de exactement. Le risque, tout à fait d'accord avec le docteur Yvon sur la question de ressources d'abord. Parce qu'en fait, question philosophique, là, c'est que je vais te laver une pierre un temps à partir de ça, jouer au football, pour te barrer au connaître. Entendez pas dire parce que les nègres ont fait ça le bilan que docteur Adoron et puis bien troisième le bilan du joueur faut y rendre compte que Véronique Max dit comment il est là qu'on y a qui est capable de bailler est-ce qu'il est capable d'aller le terrain ouais que des statistiques qui nous sont suivies ça a couru 12 km et couru 11 km mais s'il ne joue que 20 à 30% des matchs c'est-à-dire que dans match à jouer majorité temps on est capable de proposer sur terrain la proposer de telle sorte que c'est lui qui peut faire détonation hein, et c'est lui qui peut jouer une ressource pour effectivement, là, je ne parle dans les 25 mètres, il dit maintenant, en fait, il passe ça, me finit avec, il m'a accéléré. Et ça donne un joueur de rupture. Maintenant, contrairement à l'Argentine, il est obligé de faire un petit peu plus loin. En d'autres termes, il bat plus de terrain. Ce qu'on appelle, si tu divises le terrain en trois parties égales,
Bon, pour ce qu'on appelle le tiers international, c'est là que monsieur a balloté. Mais l'Alvine de Iniesta dans Barcelone, ils font une, deux, pour jouer à la pique chose. Dans l'Argentine, il n'a pas à aider, il a à construire lui-même. Donc, il faut le porter ballon. Donc, est-ce qu'elle gagne? On est capable de dire non pour ça. Donc, le temps pour le faire, il y aurait temps contre elle. Donc, pour, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Yves sur la question brésilienne, qui est un petit peu. Je ne dis pas statique, non. Je ne veux pas. Je ne veux pas dire statique, je veux dire que c'est une équipe connue. Oui, parce 11 que, de départ, là, il va statique. Connu. Il est connu. Le 11 de départ est il connu. Mais l'animation, parce qu'il est capable de schématiser à partir d'informatique pour créer. Parce que le Brésil, toujours très bien étudié. Parce qu'en 2006, l'informaticien italien était dit que le Brésil était plus bien, il était plus bien préparé. Mais l'Italie n'est pas dans le Brésil. Donc, on y a. Et comme le Brésil a mené, le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, je vous assure que l'informaticien. Alors, oui, donc, quand vous avez eu un joueur parlé en particulier dans le Brésil, c'est Casemiro, même mon problème. Comme Sentinelle, on va parler de l'animation, justement. Sentinelle a un rôle essentiel dans l'animation, à savoir, et, transition, attaque et défense, attaque là. Non, et je n'ai pas l'impression que Casemiro n'en prend pas ballon pour remettre Neguio et dans le terrain en bon état, que c'est meilleur joueur. Il n'est pas beau, ou capable de faire une ou capable de sexy. Il n'est pas viré qui par la bousquette. Mais comme c'est un Brésilien, c'est pas un pilo. Comme c'est un Brésilien, il fait le travail de ce qu'on appelle de transition parce que les défenseurs brésiliens, particulièrement Thiago Silva, les passes frontales, Rassol, ils font. Mais et le leadership est collectif en termes de gestion du ballon. Le haut ballon, il va falloir qu'effectivement l'équipe de la frontière remonte, puis ils viennent plus près pour faire une deux de transition pour qu'ils disent pour commencer le projet d'attaque. Donc, ça veut dire que Casemiro ne peut pas paraître. Et quand il arrive devant quand, lui-même, il arrive et tout, il a des bons shoots. Quand ça marche. Un petit aspect pour nous souligner sur ça, c'est que l'équipe brésilienne, ça qui est bon pour Tite, c'est que pour arriver sur Alisson, il faut bourriquer en pile. Parce que attaquant, il a marqué, et l'arrivée dans le mi-temps terrain, ou bien ça a mis les deux forces. Ça, au moins, deux forces. Ça. Dans le 31, tu as bourriqué pour qu'il empêche d'arriver sur la défense. D'abord sur la défense. La sécurité défensive. Et puis, grâce à Dieu, grâce à Neymar, à Coutinho, à William. Et Claire de Génien. N'importe quoi qu'il a fait. Donc, sur le plan offensif, pas de souci. La fantaisie créatrice est là. L'imagination créatrice est là. Parce qu'il y a des artistes, des virtuoses, des feux follets qui permettent ça. Et puis, il y a des sapeurs-pompiers qui là. Des joueurs qui ont réalisé ce travail que j'appelle ce travail du SAP, les forçats de l'entrejeu, les bûcherons, qui empêchaient que joueur adversaire arrivait sous gardien. Alors, c'est quand même un atout. Le problème au niveau de la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est que les joueurs en général arrivent beaucoup trop fatigués au mondial. Après une saison éreintante. Trop de matchs. Non, j'ai mis longtemps, il n'y a pas comme ça. C'est après la Coupe du Monde, là, au niveau technique, tu as gagné, il était de meilleure qualité. Niveau A, tu es beaucoup plus élevé. Quand il y a là, joueur, on va dire qui est ta physique, on est comme ici, tant qu'on a le droit privé. Les superstars, les étoiles de la Coupe du Monde, ils sont capables de briller au maximum, je t'attends, parce qu'ils arrivent complètement fourbus à la Coupe du Monde. Cuit. C'est cuit. Carbonisé. Très bien. Donc, alors, ce aspect, quand même, pour nous pas donner. Nous parlons de Brésil, là, dans notre instant de l'émission. Nous parlons de l'Argentine, bien que favori, selon Bookmaker, c'est l'Allemagne. Les trois favoris, je vais me dire rapidement. Il y a le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, ou capable de mettre l'Allemagne avant tout. Allemagne, Brésil, pour ne pas avoir└└└==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 װװ==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 
en 82, c'est une Coupe du Monde que je vis parce que là, ça m'a capable ni comme bien dit garçon. Et la qualité de l'équipe brésilienne, très moderne, d'accord, futuriste, et puis qui parle déjoué par un Italie super réaliste. Là, ça m'a compris que Béazot cap font changement parce que le Brésil a porté sur lui pour le casser. Fait. Mais c'est même venu comprendre 3, 4, 5 ans, 6 ans après. Coupe du Monde, ça a été marqué. Et puis, la Coupe du Monde d'après, 86. C'est pour 86, que une fois moins un joueur, tu es vraiment crasé en Coupe du Monde comme ça. Mm-hmm. Battre Pelé. Et c'était mais ouais Maradona avec des c'est pas 4 goals 5 pas de 6 non par contre Jean et il va mettre après Léo mais comme l'autre moun non pas l'autre moun Maradona l'autre moun non c'est pas quelque moun Cavel ou pas bon Thiago peut-être Valdano mais c'est les Batista mais les Batista Ozelis Brown Galvan bon si c'est un joueur mais pourtant ils étaient très très mauvais avant mondial là et puis Maradona transcendé ça t'est marqué moi par rapport à la qualité du joueur qui arrivait dans ce sens là mais il faut le dire aussi il y avait des circonstances atténuantes extrêmes l'autant de monter dans le monde Mexico parce que la Belgique et la Russie à ce moment là deux très belles équipes qui a joué un football vraiment de rêve avec Vasily Rats etc mais la nove Yakovenko next à yo il a joué trop vite. Non, dans les routures mexicaines, ils ont cassé. Mais si la Russie et la France même qui était peur l'Allemagne en pile, parce que la performance allemande face à l'Argentine, la France était beaucoup mieux. Et pourtant l'Allemagne bat la France contre Timon 2-0 dans la demi-finale là. Comme d'habitude. Donc, Guinée qui s'est cassé la Russie et surtout la Belgique. Devant l'Argentine. Donc, ils ont cassé, ils n'ont pas arrivé dans la forme qu'ils ont commencé. Mais cela a été effectivement une très très belle Coupe du Monde par rapport à la qualité du jeu. Très bien. Alors la même question. Eh bien, 74 pour deux raisons. Là, mon jeune, évidemment, nous étions présents. Haïti est présent à la Coupe du Monde. C'est petit. Donc, c'est quand même un événement qui marque, qui était dans les mémoires, dans les esprits. Et nous profitons pour saluer tout le monde qui était permettre que le pays noir brille. Pas briller, non, mais participer. L'essentiel, c'est de participer. Disait, qui a barré le Coubertin. Et puis, nous fait deux goals. Nous marquons, on n'a pas été ridicule. Sauf contre la Pologne, que nous perdons 7-0. 4-1 devant l'Argentine, 3-1 devant l'Italie. Contrairement aux Zaïre qui prend 14 goals. Par exemple, le Zaïre, qui était première nation africaine à participer à la Coupe, il prend 9-0 face à la Yougoslavie. Donc, ça veut dire au moins, nous pas depuis trop mal passé ça. Et on a fait plus qu'une mi-temps. Avec 74 également, pour l'autre raison, c'est que... La Hollande, les Pays-Bas. Le football total. Mais écoutez, football total, football de rêve avec des joueurs complets. Il y avait Van Heineken, il y avait Harry Hahn, il y avait les deux Johan Brunier, Johan Cruyff et Johan Neeskens, buteurs en finale contre l'Allemagne. Pourquoi ils me prennent plaisir pour moi la finale, ça pour me comprendre. Ah, mais bien sûr, mais ça arrivait. Ils se voyaient trop beaux. Son leçon d'humilité pour les Pays-Bas. Mais on est au champion déjà. Première minute de jeu, Cruyff lave tout le monde. Il n'a jamais, Allemand pas jamais touché ballon, hein, penalty, transformé par Neeskens. Et puis tout le monde dit quel monsieur, il y a les Hollandais bon. Et puis au fil des minutes, Allemand reprend le contrôle du jeu là. Breitner égalise sur penalty. Et puis le jeu néerlandais s'est effrité, s'est complètement désagrégé. Ça m'a manqué. Et c'est depuis là, ça continue. Faut pas jamais vendre la peau de l'ours allemand avant de l'avoir trucidé. Deuxième performance. Deuxième. Extraordinaire. Même malgré tout, il était by Cruyff, Ballon d'Or, cette année-là, en 1974, puisque Beckenbauer est venu par après. Bon, l'autre Coupe du Monde qui marque nous, évidemment, c'est 1982. Que moi, personnellement, il est une symphonie inachevée. Un Brésil de rêve. Extraordinaire. Il est tellement à l'aise. Je joue avec une facilité de pousser l'eau sous la cou. Nous sommes généralement la caille frère, tout le monde joue sous la cou, la caille frère. Ou bien sous la cou, pour les gens, avec une facilité déconcertante. Il y avait Zico, il y avait Ede, il y avait Junior. Mais, symphonie inachevé, parce que Négoté de Guétan, comme les Pays-Bas en 1974, il se voyait déjà champion du monde. Comme le Brésil en 1950, se voyait déjà champion du monde. Et puis, il a perdu. Devant l'Uruguay, le Didia et le Tiafino. Et puis le gardien noir, Barbossa, depuis ce jour-là, a été maudit. Il a dit, monsieur, c'est lui
Il a cause et il a menti. Alors jusqu'à Dida, il faut nous dire que pas de gagner gardien noir, absolument. Donc Barbosa le maudit monsieur Brésil. Et puis ce Brésil là, qui aurait dû être champion du monde. Et puis il est tombé face à une équipe italienne qui normalement pas de arriver là. Il y a qui oublie ça. Et si on était accordé à Roger Mia le but qu'il avait inscrit contre le Cameroun, tout à fait valable. Pardon, contre le Pérou, l'Italie ne se serait pas qualifiée pour le tour suivant. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Nous se font bon goal au Génia, belle équipe camerounaise, et puis au Pabalil. Et rappelez dans ces circonstances, Paolo aussi vient du Mondial. Et puis, et suspendu pour histoire de capter et match truqué, vendu, tout ce que tu veux. Et puis, quand il y a là, il dit bon, on a là, monsieur, parce que c'est un bon buteur, on a nos cas besoin. Et puis c'est lui qui a assassiné le Brésil, 3 goals devant le Brésil, 2 contre la Pologne et un autre but devant l'Allemagne. Ça fait 6 buts, meilleur buteur, meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Troisième performance. La troisième performance, ça a été pour moi 2002. Parce que je ne pas voulu pour me sauter Maradona, mais je suis tout petit sous 86. En 86, tu n'as pas fait mes raisons, France. Le match que moi j'aurais voulu voir en tant que possédé du football, mais qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu. C'est Argentine-URSS. Oui. Pour moi, Maradona, dans l'état stratosphérique, ça que tu es, capable d'affronter l'équipe la plus complète, collectivement, techniquement. De Lobanowski. L'URSS de Valérie Lobanowski, l'URSS de Yakovenko, l'URSS de Igor Belanov, une équipe extraordinaire que vous maltraitez. Dans la 8e de finale, face à la Belgique, Abitla crasé, oui sûr. Malgré 3 buts de Belanov, ballon d'or en 86 cette année-là, Belgique bat et USS 4-3. Ou belle équipe football, mais qui bon, que Diego Maradona a résolu dans la demi-finale. Une belle équipe. Mais attention, cette équipe de l'URSS qui avait pulvérisé la Hongrie 6-0 dans le match, premier match qui a été joué, et puis elle fait un an avec la France. Pour moi, au niveau football pur, c'était l'équipe la plus complète. Mais tu as gagné un certain Diego Maradona, on t'a envie de match. Alors, en Chita, en 2002, pour nous proposer ça. Oui, on a fini rapidement. 2002, c'est parce qu'il y a eu ce retour gagnant de Ronaldo. En 2002, le Brésil n'était pas favori, c'était l'Argentine. Avec Juan Sebastián Vélez, on a une équipe extraordinaire. Et puis, premier tour, grâce à un coup franc de. La pose d'un coup franc de Anders. La France Vincent, la France également. Oui, bien sûr, non, la France même. Après 98, là, éliminé de l'Obrignetto, il perd du devant Danemark, il perd du devant Uruguay, 0-0, blessé, et puis match défaite contre le Sénégal en match d'ouverture, ça a été une catastrophe. Mais c'est la renaissance, la rédemption, la renaissance de Ronaldo. C'est pour ça qu'on choisit 2002 à tout. Imaginez, à 60% de ses possibilités, il arrive, il marque 8 buts, il termine meilleur buteur, il marque 2 buts contre l'Allemagne en finale, et le Brésil a pu conquérir cette 5e couronne mondiale. Il y a une renaissance que je pensais moi-même, personnellement, qui fait mal à un autre footballeur brésilien qui s'est Roberto Carlos, que pour moi, pendant l'année 2002, ça a été le ballon. C'est devait être le ballon d'or. Ouais. Très bien. Très bien. Alors, deuxième partie de l'émission. Comme certains mauvais hommes disent que Iniesta, en 2010, aurait dû être ballon d'or. Alors, dernier débat très animé. Deuxième partie de l'émission, côté question tactique et performance individuelle, performance collective, tout est manqué, Coupe du Monde, et bien, débat là. Nous allons dans la troisième partie d'émission, nous allons regarder qui répercussion ou bien qui Jean Haïti lui-même lui a profité de événements planétaires ça non seulement pour mon citoyen yo capable joindre un petit bagage en plus non mais par rapport à activité économique que événement a généré qui Jean en tout cas plus cohésion sociale moi même qui nous base football nous capable passer maintenant con l'autre qui dans base football là nous bon bien ensemble nous allons regarder tout bagage ça yo et ben dans la troisième partie d'émission ça nous relie dernière ligne droite là. Haïti 360 sous télévision nationale d'Haïti n'a pas les Coupes du Monde, événement planétaire ça, événement ça pas quitté aucun monde indifférent. Même les Jeux Olympiques là sont concentrés, ont condensé de toutes disciplines sportives qui gagnent sur la terre, mais Coupe du Monde là, il n'est pas gagné égal en termes non seulement de euphorie que lui-même a suscité, mais tout de participation ou bien de monde qui a gardé événement ça et derrière écran télévision, même dans la radio, si vous êtes capable de dire pour ça. Haïti lui-même, et même avec toute notre nation, nous avons une possibilité dans le pays ça
pour nous garder Coupe du Monde là, pour nous vibrer au rythme des performances de joueurs préférés, nous, équipes préférées, nous. Mais au-delà de l'émotion sportive que Coupe du Monde là, by France Exil, il y a également le côté économique qui sa Coupe du Monde ça a porté pour le pays d'Haïti Haïti qui n'est pas qualifié pour faire finale. Comme je le disais tantôt, peut-être au début de l'émission, moi-même, c'est surtout, est-ce qu'on y a chaque fois qu'on mon invité, c'est surtout de ça me parler. Qui ça, ça va le quitter pour la population, pour le peuple, en termes de génération, de revenus, et qui ça va quitter. Parce que quand même, c'est sport. On va parler de ce que, depuis que comme cap brassé, on a dépensé, même moi, effectivement, c'est la croissance. C'est la question croissance là, parler. C'est pas chita droit, c'est comme pour nous serrer comme, pour nous qu'aimer comme la thésauriser. Est-ce que comme la investi, comme la peut-être générer emploi, il y a qui dit, c'est à partir de Côte du Monde, on a un petit business. Est-ce que il y a quelqu'un qui va faire un gros marché pâté cordé, et puis la vendre bière, et puis la fondi comme, et puis dit comme ça, bénéficie capable de faire son boutique les fait. Oh, moi-même, je suis heureux. Hein? Je suis heureux. Deuxième bagaille, ça c'est question comme. Mon cap dépenser l'argent, le gars vendre un pile drapeau, etc. etc. Comme la brasser, et puis mon gars aller mieux. Deuxième bagage qui est important pour moi, je t'ai dit ça dernièrement, c'est gaspiller micro qui pas fait dans le Coupe du Monde. Non, parce que nous avons les oreilles des jeunes et ils n'ont pas le temps de nous en pile. Tout le temps, ils ont répété. Donc, on nous dit bon bagage pour nous, effectivement, et puis faire passer les jeunes. Ce qu'on appelle la grossesse précoce, la question de drogue en jeunesse. Et donc, la question de important la question de Tissouri pendant n'a pas la voix là et puis me dit que mon cher et n'a pas le football une grosse tactique a tombé et puis me fout un bail là-dedans me dit ah attendez souvent de gros petit bail on va le faire là renvoyer le pour 8 jours bon pas faire le connier parce que ce qu'on appelle la relation sexuelle spontanée bail vague font temps il faut dire les choses comme elles sont donc de telle sorte que petit monde dit mais ça veut dire ça peut dire là la fille pas dit mais ça faut faire peut dire là non voilà. Dit non, mon cher Mdoumba, nous voulons une relation sexuelle qu'on y a. Nous parlons de souris là. Parce que, à force de deal, il n'y a pas fini par respecter. Nous avons une population qui a grandi, qui a. Une population jeune. Qui a éclaté, et puis les ressources se rarifient. Nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas manger les colasser, et puis nous sommes d'accord pour mon avis des petits. Ok? Nous avons un devoir, en tant que directeur d'opinion, d'essayer de vulgariser. Parce que. Pour monsieur Nadou, c'est pour payer pour faire ça. Nous autres, nous avons, faut que nous ayons de voir ça. Ça fait partie de fonction sociale, média. Je dirais, c'est une participation citoyenne. Faut que nous soyons capables de dire jeunes, et ok, que mon livre, lit 400 mots, on page livre. Pas de problème. Lit 400 mots par jour. Pour nous obtenir football, là, pas essayer de gagner trois matchs deux fois. Gagner match une fois. Et puis, effectivement, dans l'intervalle là, quand c'est Tibeto. Lire au moins pas livre. Et surtout, mon dialogue va coïncider avec examen et baccalauréat. Examen et baccalauréat. Parce que nous avons petit au niveau de baccalauréat. Donc, ce genre de choses, si nous avons tellement entendu ce qu'on appelle la force persuasive de masse média, si nous avons force d'entendre, nous avons dit que c'est mon bagage. Très bien. Donc, moi, du point de vue social, je demande et confrère Mio, je demande tout le monde qui a des oreilles, si monsieur Damio, suspendre des bagages qui ne peuvent vraiment rapporter absolument rien. Il faut dire des choses que au moins tout le monde a gagné. C'est wall nous, parce qu'il y a tant de nous. Nous pédons les politiques, ils écoutent passer nous, et dans nos journaux politiques, dans la période. Ils n'ont pas de écoute là. C'est nous qui écoutons là. Et pendant qu'ils écoutent là, il faut apprendre aux jeunes de bonnes choses. Parce que des perditions parlent terribles. Nous sommes dit 100 bagailles, mais au moins rien sec après dans l'oreille. Très bien. En termes de retombées économiques, Dr. Rivo, mais également France Exil sous dit là, il fait appel à la fonction sociale des médias. Les médias jouent un rôle important dans aider à construire notre société, aider à construire l'avenir et l'histoire de notre façon, ou même qui jouent ça. Bon, le football, là, le sport en général, c'est un exutoire qui permet que quand même, parce que la vie est faite de. Il n'y a pas que, par exemple, le travail, le boulot, dodo. Il y a aussi les distractions. Il y a l'air comme si pour capable. Et jouer un anti-stress pour libérer le cerveau, permettre que quoi régénérer cellules et même les neurones n'ont pas qu'à régénérer, mais ou capable de reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on va aller au travail, okay? Même si on a des activités, on va mener petit à l'école, eh bien, les gens de événements sportifs, c'est une activité hautement sociale qui a un impact
très positif sur l'organisme et la vie sociale en général. Mm-hmm. Football là, son élément fédérateur que lui est, mm-hmm. son trait d'union, ça rapproche. Ou bien un mariage, un ralliement, une sorte de communion entre toutes les couches sociales. Mm-hmm. Parce que il y a un bail qui réunit nous, réunit eux et on partage ensemble, c'est la passion du sport. Mm-hmm. La passion du sport qui met eux ensemble. Gagner l'argent qui a circulé, maillot qui a acheté, gagner un bar qui a fonctionné, qui a vendu plus, gagner un match de football qui a pu transmettre sur l'écran côté offert, entrée payée. Bref, il y a une pile d'activités, il y a une publicité qui permet que les médias rentrent, et que les journalistes sportifs, chroniqueurs sportifs, tant que moi-même, tant que l'exil, tant que l'autre qui a gardé nous là, que nous profitons de saluer, eh bien, il y a un petit bail qui est entré dans les mains. Qui permettent non seulement de vivre pleinement passion, mais ça permet de gagner une satisfaction financière, quelque part. Donc, c'est une très bonne chose. Autre chose, le sport inspire. Même Jean-Baptiste a noté participer dans la Coupe du Monde en 1974, et puis nous fait nous constamment à ressasser ces merveilleux souvenirs, mais nous capables nous-mêmes, tout by tête nous. Ça a stimulé nous pour que nous travaillions davantage pour nous comment nous sommes capables de rééditer même l'exploit. À partir des dames, nous avons participé à la Coupe du Monde des U20 en France. Nous avons raté deux peu le coche pour U17. Donc, son stimulus que lié. Et depuis quoi participer à la compétition, l'argent est capable de Et puis, tout le monde a Mensana incorporé ça. Tout autant fait sport, tout autant que nous avons pratiqué sport. Moi, je fais du tennis 3 fois par semaine. Il est extrêmement important pour moi. Parce que, tant qu'on t'a dit, ça protège contre les maladies cardiovasculaires. Mm-hmm. Donc, le fait que même on a gardé un match de football, eh bien, ça encourage lui-même à faire sport. Et nous, une société qui a mangé mal, qui a vécu très mal, que le stress a crasé. Et c'est sport qui permet que l'évacuer ce trop plein de stress. Alors, il y a des gens là qui ont gardé, qui veulent garder la Coupe du Monde là, et qui ont gardé l'émission et tout. Qui dit bon, grand pile là, pour le brasser, finalement, Haïti va gagner, pour le tirer. Nous avons parlé de 3,2 milliards de dollars de droits de télévision, que FIFA lui-même va gagner pour le tirer sur la mondiale. Justement, pour la distribution, ça, dit pour la population, est-ce que Haïti lui-même, comme une fédération qui est affiliée à la FIFA, est-ce que le gouvernement va gagner? Il ne veut pas. Il ne pas. Il veut, et au cours des années précédentes, je crois que ce man annuel, ça, il était en affaire de 250 millions dollars américains. C'est ça le dé. Parce que lorsque nous-mêmes, par contre, si nous payons les droits pas droits, par exemple, on paye de pour l'Arabie Saoudite, c'est 36 millions de dollars, il achète des droits. 36 millions de dollars, on ne vient pas à l'Arabie Saoudite. Donc, Mansa, FIFA redistribue. Mais une redistribution, ça, qui ça a fait nous-mêmes? Bon, je dis, hein, on nous connaît que nous avons une fondation tout pour nous, on a cherché effectivement partenariat PPPA et privé-public pour nous essayer d'arriver, mobiliser pour nous faire une infrastructure moderne. Mais si nous avons lancé, nous mobiliser ça, et puis FIFA a dit, bon, mes amis, il y a des villes de 70 ans. Il n'y a pas un bel espace pour le faire une grosse équipe entrée. Nous sommes capables, effectivement, d'influencer sur l'infrastructure sportive de qualité. C'est très important. C'est là, ça, nous allons nous compte que nous sommes capables. Est-ce que nous sommes capables de bénéficier de 3 écoles, de 3 centres de formation départementaux? Il y en a un dans le nord, un dans le sud, un dans le sud-est ou dans la Grenance, par exemple. Parce que le département de l'Est, on a été avec. Et on tient toujours. Donc, est-ce que ça, après Coupe du Monde, nous sommes capables effectivement de travailler sur 5 000 jeunes simultanément dans le pays, ou sur 10 000 jeunes simultanément dans le pays, qui parlent d'où, après 5 ans, 6 ans, il y a une possibilité, parce que toutes les pétitions sont toujours terribles. Est-ce qu'on est capable de joindre, ou capable de dégager 100? Si on dégage 100 dans 6 7 000 jeunes, eh bien, avec question 12, 15, 16 équipes, on est capable de dire qu'on y a 16 équipes, il y a une possibilité de joindre 4 joueurs. Parce que qui va joindre 4 joueurs? Donc, les centres de formation, mais centres de formation, ça coûte. Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle sport-études. Ça a un coût. Donc, si comme ça, tu es capable de permettre effectivement, tu dis, mais mon ça, pour la passion, mais il y a aussi la question du marché. Parce que si Nike, Adidas, ouais, j'en bats la masse des sites, j'en prends mes footballs dans la télévision, pas dans le stade, non? J'en prends mes footballs dans le stade, 300-400 000 monde. Si Nike ou Adidas pour équipe, il est capable de vendre 20 000 maillots, capable de vendre 15 000 maillots. L'avenir. Et ça crée. Donc, c'est, nous pas arrêter seulement nous faire ça dans le cas. Nous sommes stériles dans le football. L'autre bail que nous dit tout, c'est qu'il y a de ça quelques mois, nous avons reçu la visite président FIFA, Gianni Infantino. Nous avons rencontré ça avec le président de la République, là où tu es là. Tu as gagné une ancienne vedette sélection
Poatatou, qui était là. Boban. Zoni mais Boban, dans sa monsieur. C'est qu'il y a des engagements avec là qui étaient prêts pour aider. Je profite de saluer l'initiative. Et la Fondation Tupou. Parce que c'est une très très bonne initiative. Et que m'a fait à 100%. Je dis bravo au Pépé et à tout le monde qui entre dans la dynamique. Mais c'est votre projet. Non, c'est pas absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un engagement qui était prêt rapidement pour que aider nous construire un stade digne de ce. Très bien. Parce que quand même, ça, lui-même, il a fait son temps. Le stade, entre guillemets, c'est lui au cadre. Alors, dernière question. Ça veut dire que dernière question, c'est ta activité Coupe du Monde. Permettons que l'engagement, ça, la FIFA honore. Dernière question de l'émission. Déjà. C'est vraiment dernière question. Et des questions pour l'adresser à lui, qui là. Nous connaissons. Nous avons fait toute nuit, là, on a parlé de football là. Mais, et malheureusement, nous avons seulement une heure de temps. Qui, Jean, nous avons utilisé passion ça qui vient autour du football là. Et que Coupe du Monde, là, l'a cité là pour nous jeter base. Réflexion que tu as mené à Haïti, retourner à l'avenir en deux coups de jour. Moi, je pas que l'autre choix. Je suis malade de ça. Je ne suis pas une formation universelle. Moi-même, je suis ciblé. Je ne pas investi dans le dérive, pas même moi-même. Je suis un petit monde. Si je ne suis pas capable de faire sport scolaire de manière organisée, de manière structurée, pour nous arriver à travailler sur une masse critique assez intéressante. Parce que là, les Haïtiens sont pas en transit. Les pays ont un visa, tout le monde aller. Donc, comme si mon yo petit, je suis sûr que je suis 10 ans avec eux. Et si par exemple, ils arrivent, parce que comme là, comme là, si je arrive à former 10 jeunes, si Haïti place 5 timons, et puis 5 timons sont dans cette formation, je arrive à faire 8, 9, 10 millions de dollars, 12 millions de dollars. Avec vente, parce que je suis dans le Real Madrid, je suis dans Paris Saint-Germain, je suis dans Bayern, etc. Je fais 12 millions de dollars. 12 millions de dollars, ça a venu dans le football haïtien pour régénérer le football là, pour que le club plus force. Et depuis que le club vient plus corps, il y a plus moyens économiques. Structure de formation à renouveler. Structure de formation à renouveler, il vient plus tête, il y a plus capacité. Je suis dans le stade parce qu'il ne peut pas gagner 10 passes, parce qu'il ne peut pas gagner 4 passes. Ils ne sont pas, elles ne sont pas formées, les équipes. Oui, les joueurs ne sont pas. Combien de joueurs font-ils, dit monsieur? Nex, c'est un bon shoot, c'est un shoot Joseph Oba, un shoot Carlo Breville, son dribble à la Malingo, Chacho Eliaza. Bon, et Rivo, ou pas, ou pas, qui shootait fort, ou t'es Carlo Breville. Maintenant, rapidement, je suis footballeur, même pour Timoun, parce que laisse ça. Je travaille sur Timoun 8 ans, 9 ans. Maintenant, 10 ans, il y a 18 ans. Très bien. Là, c'est laisse ça pour le percer. On va le déposer. Laisse ça, ça n'a pas été là. Revenu à tourner. Mais je fais des 25 ans, je n'ai pas de plap. On n'a pas de petit passé. Il y a un vieux visa. Digitel. Il y a un jeune visa, oui. Mais des fois, il dit bon, il n'y a pas de patience. Parce qu'effectivement, là, on vient chercher les gars. On vous demande la fiche technique du joueur. Et pour ne pas être même à 20 ans commencer. Non, vous devez commencer. Vous faites pour commencer. Le monde fiche technique là, il faut commencer à monter l'image de 15 ans. Mais quand tu chez moi à 15 ans, il faut être là. Malgré toute télévision, il y a là. Quand tu chez moi à 15 ans, même si on n'a pas faire sous smartphone, non. Il faut montrer l'enfant. Et à ce moment-là, on a fait bagaille. Travail sur tout le monde, créer une masse critique de jeunes footballeurs qui sont capables de dire, dans 10 ans, mon cher, bon, deux indicateurs. Bon, je le donne maintenant à la télévision. Où est l'équipe de la Cognan? Il y a une moyenne d'âge 22, 23 ans. Il suffirait que Wayo fait demi-finale dans Gold Cup. Demi-finale. Parallèlement, vous avez une équipe moins de 20 ans qualifiée pour la Coupe du Monde. Vous avez 23, 4 joueurs, 5 joueurs dans moins de 20 ans pour renforcer ça. Dès que vous avez un type de bagage, vous connaissez la pré-participation à la Coupe du Monde. Surtout à 48 équipes. Très bien. Vous parlez de pré-participation. Oui, Diego, qui jeune qui a utilisé l'euphorie, ça a gagné la Coupe du Monde, la passion, ça a gagné pour le football en Haïti, pour jeter une base de réflexion pour Haïti dans la Coupe du Monde. Eh bien, c'est d'abord, il faut que nous ayons un fond de stabilité. Stabilité assez théorique, côté que toute bagarre est faite pour réussir, il faut que y ait stabilité. Parce que chaque fois que gagnent l'obéi, brigandaï, ça va toujours retourner à zéro. Et nous avons un pays côté que tout est prioritaire. Donc, socle là, base là, c'est stabilité, stabilité politique. Pour que ce sport a, justement, et pour bien annoncer à jour France, ça fait nous aller dans la Coupe du Monde 74. En pile joueur, c'est dans le championnat interscolaire. Nous sommes dans la campagne président Jovenel, il peut insister sur ça. Il faut nous retourner avec les compétitions au niveau scolaire.
universitaires et autres. C'est en bas, à la base, pour jouer un joueur, et puis pour que yo capable jouer dans le club, et puis pour que le monde capable recruter les grands recruteurs des clubs européens, sud-américains, etc., capable de venir là, et puis pour que on ait du talent, et puis y acheter eux pour permettre que y ait le briller à l'extérieur. Et ou déjà ouais retomber au dividende yo, économique qui ça représente économiquement pour Haïti. Donc faut nous passer par le championnat interscolaire là. L'autre bagage encore c'est que ça crée une dynamique, une grande dynamique. Dynamique qui ça, c'est que plus monde a intéressé investir dans le sport parce que l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, quelle est la réalité? C'est que nos amis du secteur privé, nos compatriotes disaient, ils ont des gens très, très, très frileux, timides pour investir dans le sport. Ça est capable de créer une nouvelle dynamique côté que nous avons plus involvé, entré dans la question sport. Et ça va permettre que non seulement nous briller plus au niveau international dans la compétition que nous avons participé, mais au niveau local, il y a plus l'argent qui est circulé. Ça est capable de booster l'économie paysan. Donc ça, c'est quand même un encouragement. C'est une dynamique que l'a renforcée dans la question renforcée et sport permet que y ait plus de clubs qui gagnent moins dans les mains. Parce que toi, quand club là, tout club pratiquement, ce sont des clubs qui pauvres. Donc, ça, c'est un incitatif à un secteur qui est capital, qui est vital pour le développement sport en général, qui est le secteur privé, pour le fourrer pied dans la question et accompagner l'État. Dans cette belle mission qui consiste à former et les esprits, puisque des propres faits sport, intelligence ou développer plus. Jamais. Boucle la boucle, Haïti 360 à Soya, nous avons parlé football avec invité nous, Rudy et Rivo, qui ont gagné pour suivre sur la télévision nationale. Dès demain, et bien dans la présentation Macho et France Exil, que nous avons gagné pour nous suivre dans notre média, dans la radio Ibo, Canal Bleu, qui ont gagné pour faire nous vivre un match football. Et moun ki pral parler ba sérieux et moun ki pral pote connaissance utile pour nous. Jeune dit Haïti 360 c'est promotion connaissance utile nous fait ici ya. Et n'a profiter voye message ça pour moun ki a regarder émission. Coupe du monde dans son moment de fraternité et pas moment pour fanatique Brésil pral goumer avec fanatique Argentine après résultat match soit favorable ou bel défavorable bon l'autre. On boit bien ensemble, on rete en bas et en dans base football yo fait belle discussion qui capable permettre que bagay yo avancer. On chita ensemble pour réfléchir tout ça qui arrive dans interludio ce problème pays ya ouais qui gens ensemble nous ka joindre des solutions collectives bon la caille nous pour sortir tête nous mais qui sont si la gâchette tout l'équipe nous fin champion fin gagner un match football tant pri ba mon chance moun ki cardiaque nous dans zone n'a pas vinn tirer pour pas vinn faire moun za mourir avant l'heure la police ça arrive fait travail et ben on arranger pour nous faire que coupe du monde là même gens la pied tout côté sur la terre en Haïti tout li capable une grande fête et nous même n'a pas cassé rendez-vous à vous pour prochaine édition Haïti 360 côté connaissance utile connaissance qui permettent que ou même ou éclairer ou capable prendre des décisions qui permettent que pays ça grandit et construit l'autre manière pas jamais camper rendez-vous cassé pour l'autre édition monsieur merci en pile en pile prima pas le baïtoui télévision tchotcho et puis motocyclette rendez-vous assez TNH coupe du monde yon belle fête. Bye bye tout le monde. Merci Lionel Edouard. Merci. Merci François.